Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. You may be seated in the presence of God. Les obstacles dans ta vie doivent tomber. Et moi, avec les yeux de la foi, je vois que tous les obstacles sur ton chemin, à partir de la fondation, il y a des cracks, il y a des fentes. With the eyes of faith, I can see the obstacles on your way. They have cracks. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous avançons. We are moving forward. Mardi, nous terminons en beauté et le diable a des sérieux problèmes. And on Tuesday, we end on a high note. The devil is in serious trouble. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. John 16, 12 to 15. Jésus parlait à ses disciples et il parlait qu'il allait partir. Donc dans Jean 15 et 14, il parlait beaucoup, il les prévenait qu'il allait partir. Maintenant ici, il dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, vous les portez maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. So Jesus was, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ça, c'est le Saint-Esprit. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. And all things that the Father has are mine, therefore I say that he will take of mine and declare it to you. This is the Holy Spirit. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. We need the Holy Spirit. Jésus est en train de parler ici à ses disciples. Jesus is speaking here to his disciples. Il leur a parlé beaucoup. He spoke a lot. Et puis il finit par dire, j'ai encore beaucoup de choses and à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. And he still tells them, I have many things to tell you, but you cannot bear them now. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. But when the Comforter will come, the Spirit of truth, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak. Là, il parlait à ses disciples. And he will tell you of things to come. Et parce qu'il n'était pas encore monté, because he had not yet ascended, ses disciples-là n'avaient pas le Saint-Esprit. His disciples did not have the Holy Spirit. Ils ne pouvaient pas comprendre certaines choses. And they could not understand certain things. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, that's why Jesus tells them, d'autres choses à vous dire. I have many more things to tell you. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas les comprendre. But for now, you cannot bear them. Il faudra que le Saint-Esprit vienne. The Holy Spirit will have to come down. Mais toi et moi, but you and le Saint-Esprit me, est déjà venu. The Holy Spirit has already come. Il y a d'autres choses. There are other things. Que si nous avons le Saint-Esprit, nous comprendrons certaines choses. We will understand when we have the Holy Spirit. Quand tu as le Saint-Esprit, when you have the Holy Spirit, tu lis la Bible, you read the Bible, tu la comprends, you understand it. Tu lis la Bible, you read the Bible, et tu la vois autrement, and you see it differently. Quand tu as le Saint-Esprit, when you have the Holy Spirit, il y en a qui n'ont pas connu la télévision en noir et blanc. You know, some people here did not know black and white TV. Maintenant, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu lis la Bible, c'est comme si tu es en noir et blanc. So without the Holy Spirit, when you're reading the Bible, it's like you're watching black and white TV. Mais quand tu as le Saint-Esprit, but when you have the Holy Spirit, c'est en technicolor. It is full color. Il y a une différence. There is a difference. Entre un film en noir et blanc et un film en couleur. Between a black and white movie and a full color movie. Il y a des films nous on a vu ça quand on était petit, on a vu des films en noir et blanc et puis les couleurs sont venues.
pendant qu'on grandissait. So when we were growing up, when we were little, we were watching black and white TV, and then as we were growing, black and full color movies came. La même chose, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit quand il lit la Bible, c'est comme s'il voit, il ne comprend pas les bonnes choses, les choses qui sont là. When you do not have the Holy Spirit, you will not understand the depth, the sweetness of the things that are contained here. Tu n'as pas la joie. You don't enjoy the reading of the Bible because you don't have the Spirit. Tu ne bénéficies pas, tu ne jouis pas de la lecture de la Bible parce qu'il te manque le Saint-Esprit. But when you are filled with the Holy Spirit, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, you will enjoy reading the Bible. Tu vas trouver du plaisir dans la lecture and de la Bible. Find the goodness in it. Et tu vas trouver une certaine bonté à la lecture de la Bible. If the Bible is boring to you, si la Bible te paraît ennuyante, you don't have the Holy Spirit. Il te manque le Saint-Esprit. The reason why Jesus told the disciples, c'est la raison pour laquelle Jésus a parlé aux disciples. But I have more things to tell you, but I can't. You can't bear them now. J'ai encore d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter but maintenant. When I'm gone, the Holy Spirit, the Comforter will come. Mais quand je serai parti, le Consolateur sera venu. When he comes, quand il viendra, then he'll show you, all truth. Il vous montrera la vérité. And you'll take what is mine and tell it to you. Il prendra ce qui est de moi et vous le donnera. A reason why you and me we need to stand up right now and to pray for the Holy Spirit. C'est pourquoi je vais nous demander de nous tenir debout et implorer le Saint-Esprit. For when you are filled with the Holy Spirit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, you will enjoy the time we're spending. Tu vas trouver du plaisir dans les temps que nous passons. You'll even pray better than you are praying up to now. Tu prieras mieux que tu ne pries maintenant. You will understand. You will be praying differently. Tu vas comprendre. Tu vas prier différemment. Because Jesus said, "I'll send you an helper." Parce que Jésus dit, je vous enverrai une autre aide. And Jesus is calling the Holy Spirit helper. Et Jésus appelle le Saint-Esprit une aide. That means we need help. Ça veut dire nous avons besoin d'aide. When we are praying, we need help. Quand nous prions, nous avons besoin d'aide. Otherwise, some of us are just mumbling. And, sinon, certains d'entre nous, nous sommes juste en train de dire certaines paroles and en some l'air. Are praying astray. Et d'autres prient comme il ne le faut pas. To be sharp when you are praying, pour être précis dans la prière, you need the Holy Spirit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Every day you need the Holy Spirit. Chaque jour, vous avez besoin du Saint-Esprit. Don't jump in prayer without asking for the helper. Ne saute pas dans la prière sans demander l'aide du Saint-Esprit. When you are filled with the helper, quand tu es rempli de l'aide, you pray differently. Tu prieras différemment. More accurately. Tu prieras précisément. And you'll see more results. Et tu verras plus de résultats. Because you're praying according to the Spirit of God. Parce que tu pries selon le Saint-Esprit de Dieu. Now the Spirit of God, maintenant l'Esprit de Dieu, knows God more than you and me. Il connaît Dieu mieux que toi, mieux que moi. And he knows the mind of God because he is his Spirit. Et il connaît la pensée de Dieu parce que c'est son Esprit. As you are standing here, you have your Spirit. Pendant que nous sommes ici, chacun a son esprit. And your spirit knows who you better than people around you. Et ton esprit te connaît mieux que les gens autour de toi. Your spirit knows you better than your mama and your papa. Ton esprit te connaît mieux que ton papa, mieux que ta maman. Because he is your spirit. Parce que c'est ton esprit. Now the Holy Spirit. Maintenant le Saint-Esprit. Is the Spirit of God. C'est l'esprit de Dieu. He knows God better than you and me. Il connaît Dieu mieux que nous ne le connaissons. And every plan that God has for you. Et chaque plan que Dieu a pour toi. He knows. Il connaît. That is why the Bible says that when he comes, he will tell you things to come. C'est pour cela la Bible dit que quand il viendra, il vous annoncera les choses à venir. He can tell you the thing to come in 2022. Il peut annoncer les choses à venir en 2023. He can tell you that tomorrow don't go at work. Il peut te dire demain ne va pas au travail. And when you obey, et quand tu lui obéis, you stay home, tu restes à la maison. You hear something happen to those who went to work. Tu vas entendre quelque chose est arrivé à ceux qui sont allés au boulot. I don't say when you feel like because amen. Boulot au foie. Because someone will say tomorrow he doesn't feel like going to work, and they say the apostle said that the Holy Spirit. Tu vas te lever avec une lourdeur là, tu dis ça doit être le Saint-Esprit. Non, va au travail.
There are many other things. Il y a plusieurs autres choses. He can tell you to give money. Il peut te dire de donner l'argent. And then when he tells you to give money, you say no. Demon, I bind you. No, he's the Holy Spirit. Mais là, quand il te dit de donner l'argent, tu dis au nom de Jésus, j'ai lu les démons. When he said don't go to work, and then when you don't feel like going to, no. It will tell you things to come. Il t'annoncera les choses à venir. I've seen many things. J'ai vu plusieurs choses. Spoken to me by the Holy Spirit. Que le Saint-Esprit m'a révélé. Amen. Amen. When I'm calling people here, you come. Quand j'appelle les gens, toi and viens. Telling someone that you have this and that is not me. It's the Spirit of God who's whispering to me. Et j'ai dit à quelqu'un, toi, tu as ça. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui souffle, qui chuchote à mes oreilles. Alléluia. Alléluia. You too. He can speak to everyone. Il peut parler à tout le monde. Not only to pastors. Pas seulement aux pasteurs. If you are a genuine child of God, si tu es un enfant de Dieu, the Holy Spirit will show you the things. Le Saint-Esprit te montrera des choses. He can tell you even where to invest your money. Il peut même te dire où investir ton argent. He knows everything. Il connaît tout. Alléluia. And sometimes when you're about to make a mistake, he'll tell you stop. Parfois, tu peux être sur le point de faire une erreur, il te dit stop. Let us pray for the Spirit of God. Prions pour le Saint-Esprit. In Jesus' mighty name. Dans le nom de Jésus-Christ, invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, je viens auprès de toi ce soir, je te demande de me remplir de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, ta parole dit que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je te demande de me remplir du Saint-Esprit afin que je travaille ce soir, mon Père et mon Dieu, que je sois conduit moi-même par le Saint-Esprit, que je conduise mes frères et mes sœurs par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, donne-moi l'onction et la sagesse, donne-moi le discernement, au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre mes yeux que je vois. Délie ma langue que je parle, débouche mes oreilles que j'entende. Esprit de Dieu, je ne vais pas travailler sans toi. Je ne vais pas enseigner sans toi. Je ne vais pas prêcher sans toi. Je ne vais pas prier sans toi. Dans le nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, viens, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, j'ai besoin de toi. Esprit de puissance, esprit de vie, esprit de révélation, viens, Esprit de Dieu. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi, Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Let us call upon the blood of Jesus Christ. Invoquons le sang de Jésus-Christ. When we are covered with the blood of the Lamb, we are going wherever we go as winners. Quand nous sommes couverts du sang de Jésus, partout où nous allons, nous sommes vainqueurs. Because we are overcomers through the blood of Jesus. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. More than conquerors. Plus que vainqueurs. Through the blood. Par le sang. Pray for the blood of Jesus. Invoque le sang de Jésus. Pray. Prie. Lift your voice. Élève ta voix. Père éternel, je viens auprès de toi dans le nom de Jésus-Christ. Je demande le sang de Jésus qu'il vienne me couvrir. Afin que quand je me bats, je suis, mon Père et mon Dieu, couvert par le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Parce que ma victoire se trouve dans le sang. Ma force, c'est dans le sang. Au nom de Jésus-Christ. Même quand Michaël combattait au ciel, il a, avec ses anges, il a vaincu le dragon, le serpent ancien. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pourquoi je viens auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ, je demande maintenant, au nom de Jésus-Christ, je demande le sang, que le sang inonde ces lieux, que le sang me couvre depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus-Christ, inonde nous de ton sang, au nom de Jésus-Christ, alléluia, dans le nom de Jésus, alléluia. Dans le livre de Psaume, chapitre 142, le verset 2 dit: de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Psalm chapter 1, 42. Verset 2. And verse 2. With my voice, I cry to the Lord. With my voice, I implore the Lord. Amen. De ma voix, with je my crie voice, à l'Éternel. I cry out to the Lord. De ma voix, j'implore
l'Éternel. With my voice to the Lord, I make my supplication. Verset 3 dit, je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Verse 2, I pour out my complaint before him and I declare before him my trouble. Amen. Hallelujah. Ça c'est David. This is David. Il dit, je répands ma plainte. He says, I pour out my complaint devant lui, before him, et je lui raconte ma détresse. And I declare before him my trouble. My trouble. Ma détresse. Amen. Hallelujah. Tell him your trouble. Dis-lui ce qui te trouble. And King David didn't say, with my voice I whisper. Il n'a pas dit avec ma voix je chuchote, non. Il a dit de ma voix je crie. With my voice I cry out. Quand tu as besoin de secours, when you need help, tu cries au secours. You cry help. Alléluia. Je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. I pour out my complaint before him and I declare before him my trouble. Verset 8, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. Verse 7, bring my soul out of prison that I may praise your name. The righteous shall surround me, for you shall deal bountifully with me. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse crier à l'Éternel et que tu lui racontes tes problèmes. I want each one of us to cry out to the Lord and pour out before him your trouble. David dit, je lui raconte mes problèmes. David said, I declare before him my trouble. Raconte-lui tes besoins. Tell him your needs. Il est ton papa. He is your daddy. Raconte-lui tes problèmes. Tell him your problems. Ça peut être, non, Seigneur, tu connais. Il connaît, mais raconte-lui quand même. Don't be the oh Lord, but you know everything. He knows, but tell him still. Tell him your needs. Dis-lui tes besoins. Your trouble. Dis-lui ce qui te trouble. Dis-lui. Amen. Amen. Dis-lui, tire mon âme de sa prison. Ask him to take your soul from the prison. Afin que je célèbre ton nom. So that you may praise and celebrate his name. Let us pray. Prions. Tell him that what you need in 2023. Dis-lui ce dont tu as besoin en 2023. Tell him that, Father, I don't want this year to be like the last year. Dis-lui, Père, je ne veux pas que cette année puisse ressembler à l'année passée. Tell him that, Father, I know that you can do more for me. Dis-lui, Père, je sais que tu peux faire plus pour moi. Even if you are already blessed, God can do more. Vous savez, même si tu es béni, Dieu peut faire plus. Bible says about Jabez that he was more honorable than his brethren. De but Jabez, he told God, bless me indeed, enlarge my coast. Jabez était plus honorable que ses frères, mais il a demandé à Dieu de le bénir davantage et d'élargir son territoire. God didn't tell him that you are already more honorable. Mais Dieu n'a pas dit non, toi tu aimes les bénédictions, tu es déjà honorable. The Bible says God granted him his request. La Bible dit que Dieu a exaucé sa prière. Maybe you are already blessed, but peut-être God que tu es déjà more. Béni, mais Dieu peut te bénir davantage. There's something missing. Il y a quelque chose qui manque. Someone is in good health, but no money. Quelqu'un qui est en bonne santé, mais pas d'argent. Someone has money, but not good health. D'autres, ils ont l'argent, mais pas de bonne santé. And so on. But God can fill the emptiness in your life. Mais Dieu est celui qui peut combler le vide de ta vie. Unless you pour out your heart before him and tell him your trouble. Si tu répands ton cœur devant lui et tu lui dis tes problèmes. Tell him your needs. Tu lui parles de tes besoins. He told this guy, Bartimaeus guy, was crying. Help me, help me. Jesus told him, what do you want me to do for you? Vous savez, Bartimée, il priait, aide-moi, aide-moi. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Be precise. Il a été précis. Be precise. Sois précis. He was shouting, help me. Il criait, aide-moi. And Jesus saw the blind man before him. Et Jésus a vu l'aveugle devant he lui. He didn't help him. He said, tell me, what do you want? Il a dit, que veux-tu que je fasse? Now you are here, don't say help me. Maintenant tu es là, ne dis pas aide-moi. That is vague. C'est très vague. Amen. Tell him what you want. Dis-lui ce dont tu as besoin. Let us pray together. Prions. Père, je viens auprès de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Je viens dans ta présence, mon Père et mon Dieu. Je veux que les choses changent dans tous les domaines de ma vie. Ma vie spirituelle, mon Père et mon Dieu. Que je puisse être agréable à toi, mon Dieu. Que je te connaisse mieux, que je te connaisse davantage. Que je passe plus de temps en ta compagnie, au nom de Jésus-Christ. Que je médite ta parole régulièrement, Papa, et que je la comprenne, au nom de Jésus-Christ. Que je prie davantage, que je passe des moments en ta compagnie, davantage. Que je te connaisse davantage, au nom de Jésus-Christ. Pour mieux te servir, je veux mieux te connaître, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai besoin de plus d'onction, plus de sagesse, mon Père et mon Dieu. Donne-moi la sagesse, mon Père et mon Dieu, que je conduise mes affaires avec sagesse. Que je sois sage dans la maison, que je sois sage dans le ministère, que je sois sage dans tout ce que je fais. Donne-moi la sagesse, Père, afin que ma vie puisse te glorifier au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, bénis cette assemblée, c'est ton œuvre. La Bible dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera. C'est ton œuvre, mon Père et mon Dieu. Que foi et victoire aillent de l'avant. Que ta présence ne manque jamais dans cette assemblée. Que cette année, tu nous amènes dans une autre dimension. Dans l'onction, dans les miracles, dans la provision, dans les finances, dans les prodiges et les miracles. Mon Père et mon Dieu, mon Père et mon Dieu, j'aimerais que tu bénisses foi et victoire. Mon Père et mon Dieu, que ta présence soit toujours manifeste dans notre assemblée. Que les multitudes viennent, que tu bénisses financièrement foi et victoire au nom de Jésus-Christ. Que tu me donnes une santé solide, que tu me rajeunisses comme l'aigle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, que je ne sois pas malade, mais que je sois toujours fort pour servir à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, que tu bénisses mes enfants au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui n'ont pas de mari, qu'ils trouvent des maris. Que ceux qui n'ont pas de femme, qu'ils trouvent des femmes. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'ils aient des enfants et la gloire te reviendra. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour mes enfants biologiques, j'ai prié pour mes enfants spirituels, que tous soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, que tous voient ta main, qu'il y ait des mariages dans cette assemblée, qu'il y ait encore des enfants dans cette assemblée, que celui qui n'a pas du travail, qu'il trouve du travail. Que nous soyons la tête et non la queue, comme tu nous as demandé, au nom de Jésus-Christ. Que moi-même je sois la tête et non la queue. Que je sois toujours en haut et jamais en bas. Que tu confondes mes adversaires et la gloire te reviendra, au nom de Jésus-Christ. Et moi je te célébrerai et la gloire te reviendra, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Psaume 143, versets 1 et 2. Psalm 143, verses 1 and 2. Écoute, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications, in your faithfulness answer me, and in your righteousness. Do not enter into judgment with your servant, for in your sight no one living is righteous. Il est en train de dire, Seigneur, ne me juge pas. He is saying, Lord, do not judge me. Car aucun être humain n'est juste. For in your sight no one is righteous. Aucun vivant n'est juste devant toi. No living being is righteous before you. Ne crois pas que tu es juste devant Dieu. Don't think you are righteous before God. Il y a des choses que tu fais bien, il y a des choses que tu fais mal. There are things you do well, there are things you don't do well. Alors ne te justifie pas. So don't justify yourself before God. Dis-lui, Seigneur. Just tell him, Lord. Écoute ma prière. Listen to my prayer. Que ce jeûne ne passe pas inutilement. This fast must not be spent. Prête l'oreille à mes supplications et exauce-moi. Must not be wasted. Listen to my prayer and answer me. Que Dieu t'exauce. May God answer you. Prier, c'est une chose. Praying is être one exaucé, thing. C'est une autre chose. Receiving the answer is another thing. Et la joie d'une prière, c'est son exaucement. And the joy of a prayer is it's answering. La joie de la prière, c'est quand tu vois que j'avais prié et Dieu m'a répondu. The joy of a prayer is when you know you prayed and God has answered you. Tu vas lui dire, réponds-moi, Seigneur. Say, Lord, answer me. N'entre pas en jugement avec. Do not enter in judgment with me. Devant tes yeux, before your eyes, aucun vivant n'est juste. No living being is righteous. Amen.
Ne me juge pas, Seigneur. Do not judge me, Lord. Je sais que j'ai été faible. I know I have been weak. Mais j'ai besoin de ton secours. I need your help still. Écoute ma prière. Listen to my prayer. Et réponds-moi. And answer me. Dis-lui pendant ce jeûne. Tell him, Father, during this fast. Je suis en train de prier. I am praying. Vers le Dieu qui entend et qui répond. To the God who hears and he answers. Ne me regarde pas selon mes péchés. Do not judge me according to my sins. Ne me regarde pas selon mes faiblesses. Do not punish me according to my weaknesses. Souviens-toi que le sang de Jésus a coulé pour mes péchés. Remember that the blood of Jesus was shed for my sins. Élève ta voix. Lift up your voice. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Éternel, écoute ma prière. Seigneur, prête l'oreille à mes supplications, Seigneur. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Réponds-moi, mon Père et mon Dieu. Réponds-moi, Seigneur. Jusqu'à quand, mon Père et mon Dieu, vais-je demander, mon Père et mon Dieu, pour que, mon Père et mon Dieu, tu puisses, mon Père et mon Dieu, me répondre. Les prières pour les besoins, mon Père et mon Dieu, physiques, spirituels, matériels, financiers, les problèmes familiaux, au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, je suis venu à toi. Je t'ai présenté des problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, n'entre pas en jugement avec moi, car à tes yeux, aucun vivant n'est juste. Regarde-moi à travers le sang qui a coulé à la croix. Mon Père et mon Dieu, que je sois justifié par le sang. Au nom de Jésus-Christ, Papa. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ondorobo Shandarababa. Toujours psaume 143, le verset 7 dit. Verse 7 says. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse, donc dans la tombe. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Hallelujah. Car je me confie en toi. Yes, Lord. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Verse 7, answer me speedily, O Lord. My spirit fails. Do not hide your face from me, lest I be like those who go down into the pit. Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you I do trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Amen. This David guy, he knew how to pray. David savait prier. He said, answer me speedily. Il dit, réponds-moi rapidement. He knew that God is his father. Il savait que Dieu était son père. Amen. There are some stuff that you need answer now. Il y a des choses pour lesquelles tu as besoin de la réponse maintenant. Don't pretend as if you are patient. Ne prétends pas, tu fais semblant comme si tu es patient. You can't fake patience with God. He knows. Tu ne peux pas faire semblant d'être patient devant Dieu. Il sait, il connaît. David said, answer me speedily. C'est pourquoi David dit, hâte-toi de m'exaucer. Why? Pourquoi? Because my soul. Parce que mon âme is dying in me. Se consume en moi. Mon âme se consume. Réponds-moi rapidement. Answer me speedily. Il y a d'autres choses que tu peux attendre au courant de l'année. Il y a d'autres choses que la semaine. There are other things you can wait for the year, but there are other things, Lord, this week must not end. Faut pas s'en faire semblant comme non, non. Seigneur, c'est comme tu veux. Ici, David dit, fais rapidement, Seigneur. C'est ton papa. Don't pretend like you are a master of patience. Lord, do as you wish. I will wait. No, he's your father. Don't pretend. Mon âme se consume en moi. My soul, my spirit is consumed. My soul is consumed within me. Il dit que je suis comme que je ne sois pas ceux qu'on est comme semblable à ceux qu'on est en train d'enterrer. Let me not be like those who are being buried, those who are going into the pit. N'est-ce pas parfois tu sens que tu es en train de mourir? Don't you feel sometimes as if you are dying? Don't be ashamed to tell that to God. Il faut pas être embarrassé de le dire à Dieu. Amen. Amen. Tell him. Dis-lui. There are some stuff that you need in the long run. Parce qu'il y a certaines choses dont tu as besoin, c'est à long terme. But some stuff you need short term now. That is what David said. Answer me speedily. D'autres choses, on a besoin de réponses. C'est à court terme. C'est pourquoi David dit, hâte-toi de me répondre, de m'exaucer. Prie.
Pray. Demande à Dieu. Ask God. Si on t'a dit que tu es en train de, tu dois mourir dans trois mois, tu vas dire, Seigneur, guéris-moi cette année. If they told you, okay, you have 3 months to live, are you going to say, Lord, answer me anytime this year? Les docteurs parfois ils disent à quelqu'un, tu as 3 mois. These doctors can be so specific. You have 2 days to live. How do you know? No ways. Amen. Amen. And now you don't say, this year, Father God will heal me. Quand tu as cette nouvelle, tu ne dis pas, Seigneur, cette année, guéris-moi. Non. Pray. Pray. In Jesus' mighty name. Dans le nom de Jésus. Ask God to answer you speedily. Demande au Seigneur de te répondre rapidement, de t'exaucer rapidement. Au nom de Jésus, Papa, je viens auprès de toi. J'élève ma voix vers toi, ô Dieu Tout-Puissant. Mon Père et mon Dieu, mon âme se consume en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, réponds-moi. Mon Père et mon Dieu, que les murailles tombent. Au nom de Jésus, Robo Shakarababa. Au nom de Jésus-Christ, et moi, ton serviteur, je vais te célébrer. Au nom de Jésus, réponds-moi. Au nom de Jésus, pour mes besoins financiers, réponds-moi rapidement. Au nom de Jésus, pour les besoins de ma santé, ma force physique, réponds-moi rapidement. Guéris-moi rapidement. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, pour la force du corps, réponds-moi. Pour la force de l'esprit, de l'âme et du corps, réponds-moi rapidement. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la paix, donne-moi la réponse au sujet de mes enfants. Réponds-moi rapidement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des portes qui sont fermées, mais il n'y a que lui qui peut ouvrir. Some doors are closed, but only God can open them. Tu vas demander au Seigneur d'ouvrir les portes que l'ennemi a fermées devant toi. Ask God to open the doors that the enemy has closed before you. Les portes de bénédiction. The doors of blessings. Les portes du mariage. The doors of marriage. Les portes de l'élévation. The doors of elevation. Yo matakate. You never go up. Tes affaires c'est toujours terre à terre. Your business is always sinking. Non, il faut sinking. Tu dois you must monter. Go up. You must be exalted. Si la porte de l'élévation est fermée, il n'y a que quelqu'un qui va l'ouvrir. If the door of elevation is shut, is closed to you, only one person can open it. Les portes des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. There are so many opportunities in this country. Il y a des gens qui ont des opportunités à ne pas comprendre. There are people that have opportunities you won't understand. Mais il y en a qui ne voient pas. But some don't see anything. Pendant qu'il y a des gens qui font des millions et des milliards. While people are making millions, others are making billions. Moi, je veux qu'il y ait des gens qui font des millions dans cette assemblée. In this church, people must make millions. Avec Dieu, c'est possible. With God, it is possible. Il a pris David qui était un berger, c'est-à-dire quelqu'un qui gardait des ngoulou, des moutons, il est devenu roi. He took David, who was a shepherd boy. It means he was keeping sheep. He was a herd boy. He turned him into a king. Dieu peut t'élever. God can elevate you. Cette fille qui était une immigrée, Ngunda, Esther, elle n'était pas dans son pays. Et là, elle épousait le roi dans ce pays. Elle est devenue reine. This Esther. Other girl, she was an immigrant. She was a refugee. Elle n'était pas dans son pays. She elle n'avait pas les papiers. In a country, she didn't have all the papers. Pour que tu comprennes bien, Esther. Parce que toi, non, si j'avais les papiers, non, Esther, est-ce qu'elle avait les papiers? Because some of you are like, oh, I don't have the right documentations. Did Esther have the right documentations? Avec Dieu. But with God. Après un jeûne seulement de 3 jours. After fasting for 3 simple days. Elle a vu le roi. She saw the king. Daniel, un petit garçon. Daniel, another small boy. À l'étranger. In a foreign land. Il est devenu premier ministre. He became a prime minister. Et Joseph. What about Joseph? Est-ce qu'il avait les papiers? Did he have the papers in Egypt? Il était même un esclave quand il est arrivé dans ce pays-là. He was a slave when he got to that country. C'est le Dieu que je t'annonce. This is the God I am preaching to you. Je t'annonce pas un autre Dieu. I am not preaching another God. Kakawana. The same God. Joseph. Joseph. On l'a vendu comme on vend des chèvres, comme on vend des choses. On l'a vendu. Was sold like an object. He was sold. Mais là où on l'avait vendu. But where he was sold. C'est là où il est devenu le. Le gouverneur. That's where he became the governor. Il y avait le roi, Pharaon. You had the king, the Pharaoh. Qui était number one dans le pays. He was number one in the land. Number two. Number two. Joseph. Joseph.
Voilà le Dieu que je t'annonce. This is the same God I am preaching to you all. Stop making excuses. Il faut pas avoir des excuses. Oh, I'm too young. Oh, je suis trop jeune. Daniel was young. Daniel était jeune. He became prime minister. Il est devenu premier ministre. Oh, I'm just a woman. Oh, mais je ne suis qu'une femme. Deborah was a woman. Deborah était une femme. She became a general. Elle est devenue un général. Esther. Esther was a young lady. C'était une jeune femme. A girl. Orpheline. And she was even an orphan. Et c'était une orpheline. In a foreign country. Dans un pays étranger. God made her to become a queen. Dieu a fait d'elle reine. I'm not talking about a new God. Je ne parle pas d'un nouveau Dieu. I'm speaking to about the God who said I never change. Je vous annonce le Dieu qui a dit je ne change pas. I'm praying for to see millionnaires in this church. Je prie pour que cette église produise des millionnaires. And I will see them. Et je les verrai. And when you become one of them, don't hide. Et quand tu deviendras millionnaire, ne cache pas ton argent dans les matelas. Because you will become one of them. Parce que vous deviendrez millionnaire. I say, je le déclare. Non, je libère les millionnaires. I will see millionaires in this church. I release. Je les libère. Le problème avec un leader qui a la foi, c'est parler. You know, the problem with faith is you have to speak. Moïse a parlé. Moses, he spoke. Devant une mer. In front, the Red Derrière, Sea. Une armée. Behind, an army. Et il dit, and he says, quel culot. Il dit, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. The Egyptians that you see today, you will see them no more. Dieu aime des pasteurs comme ça. God likes such pastors. Les gens ont regardé, il y a solo. People looked at Moses les like Moses. Étaient là, la mer était là, Moses a dit. The Egyptians were there. The sea was there, but Moses spoke. C'est ainsi que moi, je sais qu'il y a des piakistes ici, mais moi, je dis, je vois les millionnaires. That's why I see, I know there are broke people here, but I say, I am seeing millionaires. Je sais qu'il y a plein de mpiaka ici, mpiaka. I know we have broke people in the church. Mais le Dieu qui honore son serviteur qui est loin. But et qui God parle par la foi, who il va faire, il va le faire. He will do it in Jesus' name. Hallelujah. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Moi, je libère les millionnaires. I release millionaires. Le jeune passé, j'avais libéré des bébés ici. Last fast, I release babies here. C'est pas encore fini, vous allez voir des bébés. It is not over, you will see more babies. Ça continue à venir. It is still coming. Karine Mangala. Karine Mangala. Je ne sais pas combien d'années de mariage. I don't know how many years of marriage. Elle vient de faire encore. And she has just had another baby. Alléluia. Hallelujah. Et puis pour les bébés Nalobite, c'est pas encore fini. For the babies, I'm saying it again. It's not over. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Là maintenant, je sens l'onction. I feel the anointing. Pour les millionnaires. For millionaires. Parce que mon Dieu est grand. Because my God is great. Je ne vais pas lui demander des petites choses. I am not going to ask him small, tiny things. Le Dieu qui a créé l'univers. The God who created the universe. Toutes les étoiles, il les a créées. All the stars, he created them. Il les them. Connaît par leur nom. He knows each one by name. Il a créé le monde. He created the world. Avec tout ce qui est dans le monde. With everything that is in it. Moi, je ne vais pas lui demander le loyer. I'm not going to ask him for rent. Je lui demande une maison. I'm asking him for a house. C'est ma foi. That is my faith. Je la libère pour vous. I'm releasing it for you. Millions. Millions. Amen. Amen. Apocalypse 3:7. Revelation chapter 3 verse 7. Regardez-vous bien, vous allez voir des gens monter dans cette église financièrement. Vous allez voir. Look at your neighbors. Look at your neighbors. You will see some of, many of them, they will go up financially, you will not recognize them. Et puis ne va pas dire non, je prie maintenant arrive, je bon, je prie. When that happens to you, don't start, oh, now I pray in assemblies of so-so. Ça, c'est ton assemblée. This is your assembly. C'est là où Dieu va te bénir. This is where God will bless quand you. Dieu te bénit, when God blesses you, pas une autre assemblée. Don't find another assembly, j'ai don't find another church. De fois. I have seen it many times. J'ai vu des gens partir, bénis ici. I have seen people leaving this church blessed. Shame. What a shame. C'est ça ta famille. This is your family. Tu dois être fier de ça. You must be proud of your family.
Apocalypse chapitre 3 verset 7. Revelation chapter 3 verse 7. Écrit à l'ange de l'église de foi et victoire. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera. Et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Amen. And to the angel of the church of faith and victory, write, these things says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and he shuts and no one opens. Jesus a la clé de David. He has the key of David. Quand il ouvre, when he opens, personne ne peut fermer. No one can close. Nous allons prier. We are going to qu'il pray ouvre pour nous that he will open les for us portes, the good doors, les portes des opportunités, the doors of opportunity, les portes des mariages, the doors of marriage, les portes des millionnaires, the doors of millionaires. Il va ouvrir. He will open them. Il va ouvrir. He will open them. Un jour, je lui avais dit, one day I told him, ouvre pour moi, open for me, la porte de la, des gens qui conduisent aussi de nouvelles voitures. The doors of people who drive brand new cars. Parce que je marchais avec des trucs là. Because I used to drive second hand, third hand, fourth hand cars. Ouvre. One day I said, Lord, open. Il a ouvert. He opened. Il a ouvert. He opened. Alléluia. Depuis qu'il n'a ouvert, since he opened, personne n'a fermé. No one shuts, no one closed. Alléluia. Personne. No one. Manière Foster était venu pour prendre ma voiture. No, Manière Foster came to repossess my car. Came to repossess. What? Repossess what? Celui qui a la clé de David. The one who has the key of David. Il ouvre les portes. He opens doors. Que personne ne peut fermer. That no one can shut. Il y a des portes qui sont fermées devant toi, mon frère. There are doors which are shut before you, my brother. Tu peux danser, tu peux sauter, tu n'entreras pas. You can dance, you can jump, you can roll, you will not enter. Combien tu as, de fois tu as essayé, tu how as many échoué. Times did you try and you failed? Mais il y a quelqu'un qui a une clé. But there's someone who has a key. La clé de David. A master key, the key quand of David. Il ouvre, when he opens. La clé de David. The key of David. C'est un passe-partout. Is a master key. Qui peut ouvrir tous les cadenas. Can open every lock. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Je viens de Kinshasa, j'étais dans un hôtel et j'avais enfermé la clé dedans. J'ai appelé les gens là qui travaillent là. Ils ont une clé qui ouvre toutes les portes. I was in Kinshasa and I had locked my key inside my room. I locked myself out. I called the reception. They came. Those people that are cleaning the rooms, they came and they opened. Amen. My hotel door. Une jeune femme là. A young lady. Elle était room service. Je lui dis, room service. I'm like, come open. She has the key that can open every given door. Elle a une clé qui ouvre toutes les portes. Now there is somebody. Maintenant, il y a quelqu'un. His name is Jesus. Son nom c'est Jésus. He has the key of David. Il a la clé de David. He can open. Il peut ouvrir. He has a master key. Il a la clé passe partout. Quelle est la porte que les sorciers ont fermée? Which door did the witches close? Il va ouvrir. The sorceress, he will open. Quelle est la porte que les démons ont fermée? Which door did the demons close? Quelle est la porte que les malédictions héréditaires de votre famille ont fermée? Which door did the generational curses in your family close? He will open them. Others don't get married. C'est comme ça dans notre oh, famille. That's how we are in our si family. That door of marriage is mais closed. Y a quelqu'un qui a la porte, there la is clé someone de David. Who has the master key. Il va ouvrir. He will open. Y a des familles où de, oh non, les gens ne font pas l'argent. Some families, oh, we don't ah, make non, money. Non, non. We don't la make porte money. Est fermée pour faire l'argent. That money-making door is la closed. Clé de David. The key of David. Il ouvre. He opens. Personne ne sait fermer. And no one can close. Alléluia. Alléluia. La porte de la maternité est fermée. The key of paternity ah, is closed. Oh, come la on. La clé de David va ouvrir the key la, of la David clé de la maternité. Will open the door of paternity. La clé de l'élévation. The key of elevation. Il va ouvrir. He will open. La Bible dit, the Bible says, à foi et victoire, at faith and victory, celui qui a la clé de David, the one who has the key of David, qui ouvre, personne ne peut fermer. He opens and no one can close. Invoque-le. Call upon him. Dis-lui, viens ouvrir. Tell him, come and open. Les portes que l'ennemi a fermées. The doors that the enemy closed. Les sorciers ont fermé. The enemy shut. Le diable a fermé. The devil closed. Mais quand tu vas ouvrir, but you will open. Personne ne va fermer. No one will close. La porte des boulots. The doors of employment. La porte des entreprises. The doors of companies. Les portes de business. The doors of business. La porte des containers. The doors of containers. Les portes des millionnaires. The doors of millionaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, tu as les clés de David. C'est toi, Jésus,
qui a la clé de David. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Au nom de Jésus-Christ, ouvre les portes de la grandeur pour moi et pour foi et victoire. Les portes de qui sont fermées par l'ennemi. Les portes des millionnaires. Que j'entre au nom de Jésus-Christ. Et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Au nom de Jésus-Christ, les portes de l'élévation. Ouvre-les, papa. Ouvre-les pour ton fils. Au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Ouvre les portes. Ouvre les portes des mariages de mes enfants. Ouvre les portes des mariages de tous mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as la clé de David. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Oh Rabakoshé. Ondoroboshandarababa. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Avec cette clé là. With that key. Quand il va fermer, personne ne peut ouvrir. When you will close, no one will open. Demande-lui de fermer les portes de malheur. Ask him to close the doors of misfortune. Les portes de dette, par lesquelles les dettes entrent dans ta vie. The doors of sorrow, the doors of debts. Les portes par lesquelles les problèmes viennent. The doors of problems, through which problems quand are flooding. Tu fais là, tu évites les problèmes et les problèmes viennent quand même. Bakote la kawapi. You are running away from problems, but the problems are coming where you are running away. Et ils entrent. They come in. Quand ils ferment. When you will close. Les mauvaises portes. The bad doors. Personne ne peut ouvrir. No one will open them. Là où les sorciers entrent. Where the witches are coming. Là où les maris de nuit entrent. Where the spirit husbands ferme, come. He will close. Qu'il ferme ces portes-là. He will close those doors. Là où la pauvreté entre. Where poverty comes. Là où les mindondo viennent. Where problems come. Tu es tranquille pendant deux mois, troisième mois, boom, problème. You are quiet for 2 months, third month, boom, a problem. Mais il y a quelqu'un. But there is somebody. Le lion de la tribu de Juda. The lion of the tribe of Judah. Le fils de David, the son of David, quand il ferme, when he shuts, personne ne peut ouvrir. No one can open. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Il y a des gens, les problèmes se suivent. Some tu finis ce problème et un autre vient. Never tu ending problème, problems. Tu résous un problème et un autre vient. Never ending problems. You solve this one and tu new résous one un problème, pops up. Après, deux problèmes viennent. You solve one problem, two more problems pop up. Il y a quelqu'un qui va fermer les portes. Someone is going to close those doors. Hallelujah. Prions. Let's pray. Oh Rababa Shandarababa. Fils de David, tu as la clé de David. Tu ouvres, personne ne peut fermer. Tu fermes, personne ne peut ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, je viens auprès de toi. Je te demande d'utiliser cette clé-là dans tous les domaines de ma vie pour fermer toutes les portes par lesquels les problèmes entrent dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon corps, dans l'assemblée, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu as la clé de David. Ferme toutes ces portes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ferme les portes par lesquelles les problèmes viennent, par lesquelles les sorciers entrent, par lesquelles les démons entrent. Au nom de Jésus-Christ. Même dans mes rêves, ferme, que là personne ne peut ouvrir au nom de Jésus. Tu vas demander qu'il ferme la porte de tes rêves, de par où les cauchemars entrent. Ask him to close the doors of nightmares. Toi qui fais des cauchemars, when you go to bed, always nightmares. Tu as des mauvaises visitations. You have evil, bad visitations. Dans ton sommeil. In your dream. Demande-lui. Ask him. Quand il fermera, when he will close those personne doors, ne peut ouvrir. No one will open. Prions. Let us pray. Ferme les portes, mon Père et mon Dieu, pour les visitations sataniques dans les rêves, dans les songes, au nom de Jésus-Christ. Ouvre les portes des rêves, des visitations de tes anges et de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun ange de Satan ne vienne me visiter dans mes rêves. Au nom de Jésus-Christ, ferme ces portes-là, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Give a hand to Jesus. Acclamons pour Jésus. Je sens qu'on n'a pas terminé. We are not done.